Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi tous les commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce lundi 4 avril 2022, rendez-vous du côté de Chantilly pour le prix des Grandes Fontaines, première course de la Réunion 1, où 16 galopeurs de 4 ans et au-dessus en découdront vers 13h50. Sur le parcours de longue haleine des 3000 mètres de la piste en gazon cantilienne, ce handicap divisé de première épreuve fait la part belle aux stayers. Sur un parcours aussi spécial, le poids peut avoir son importance. Cela dit, les spécialistes de ce type de tracé ont une belle carte à jouer et la forme du moment peut s'avérer décisive pour avoir une chance de participer à l'arrivée. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 2, Belgian Prince. Confié au crack jockey belge Christophe Soumillon, il peut faire mouche dans ce gros handicap. En deuxième choix, le numéro 14, Poets Quest. Quatrième pour sa réapparition, le représentant de Stéphane Vatel devrait afficher des progrès et lutter pour les premières places. En troisième choix, retrouvons le numéro 11, Mac Latambouille. Il n'a pas démérité lors de son retour en piste et retrouve pour l'occasion le tracé de sa dernière victoire. En quatrième position viendra le numéro 3, Goya Senora. Ce redoutable finisseur est une nouvelle fois rallongé et cela devrait jouer en sa faveur. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 7, Moonwalk Step. Supplémenté à l'occasion de ce quintet, il revient sur une distance qui peut lui permettre de refaire parler de lui. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 8, Palpitor. Régulier dans l'ensemble, ce fils de motivateur constitue un outsider séduisant pour son retour à ce niveau. En avant-dernier choix, le numéro 4, Barbadin. En plein épanouissement, ce hongre de 5 ans, déjà endurci, peut monter d'un cran avec succès. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 6, Dojo. Présenté avec de la fraîcheur, ce représentant de l'écurie Barry a les moyens de rivaliser pour les places. En cas de non partant, le numéro 13, Escapade Nocturne, de retour sur une piste en gazon après des incursions sur PSF, introduirait notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement en VIP. Par exemple, hier samedi, Top Prono indiquait le tiercé ordre pour un rapport de 414 euros, ainsi que le quarté et le quinté désordre, ce dernier faisant afficher plus de 200 euros. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations sur l'abonnement VIP, pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronos, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintet et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP turf-fr.com.